C'est le caractère oppressant de la réalité qui permet à l'imagination de prendre racine et de s'épanouir. Voilà ce qu'explique l'écrivain Robert Greene dans son best-seller Power. Sur la loi 32 sur 48, il développe le principe suivant. On fuit la vérité quand elle est laide et déplaisante. Ne rappelez jamais la réalité sous peine d'avoir à affronter la colère, fille de la déception. La vie est si dure et si angoissante que ceux qui l'enjolivent par de belles histoires sont tels des oasis dans le désert. Tout le monde afflue vers eux. C'est donc un grand pouvoir que de savoir exploiter l'imagination des masses. Et à Robert Greene d'illustrer ce principe par cette histoire hallucinante. Au début du XVIIIe siècle, à Londres, on ne parlait que d'un mystérieux étranger, un jeune homme appelé George Psalmanazar. Il était originaire d'un pays quasi légendaire aux yeux des Anglais, l'île de Formose, l'actuel Taïwan, au large de la côte chinoise. L'université d'Oxford engagea Psalmanazar pour enseigner la langue de son île. Quelques années plus tard, il traduisit la Bible dans cette langue, puis écrivit un livre qui fut immédiatement un best-seller sur l'histoire et la géographie de Formose. La famille royale l'entretint somptueusement et partout où il allait, il distrayait ses hôtes avec des récits merveilleux sur son pays et ses coutumes étranges. A hunger Psalmanazar sated when he published a historical and geographical description of Formosa in 1704. The book sold out and received a revised second edition, which Psalmanazar made sure expanded upon the bloody tales of child sacrifice and cannibalism the public were so intrigued by. It seemed the craze for Psalmanazar and Formosa had no end. Après la mort de Psalmanazar, son testament révéla qu'il était un Français de pure souche doté d'une exubérante imagination. Tout ce qu'il avait raconté sur Formose, son alphabet, sa langue, sa littérature, sa culture, il l'avait inventé, s'appuyant sur l'ignorance des badauds anglais pour échafauder une histoire complexe qui assouvissait leur désir d'exotisme et d'insolite. Le contrôle rigide que la société britannique exerçait sur la vie fantasmatique lui avait fourni l'occasion d'exploiter la frustration qui en résultait. Alors, tel George Psalmanazar, soyez une oasis d'imagination dans le désert du réel. J'ai hâte de vous voir tous. À bientôt !